Découverte dans les Marseillais, Carla Moreau était de retour à la télévision ce jeudi 8 décembre 2022. Non pas dans une émission de télé-réalité, mais sur le plateau de C8. En effet, la jolie blonde est-elle une des invitées de La Grosse Rigolade, un programme de divertissement présenté par Cyril Hanouna. J'étais avec un homme et finalement il était très généreux ainsi, l'animateur phare de C8 n'a pas manqué de prendre des nouvelles de celle qui s'est récemment séparée de son mari Kevin Gage. Nouvelle vie qui démarre, a-t-elle ainsi lancé. Et d'expliquer, j'étais avec un homme et finalement il était très généreux. Donc, ça s'est un petit peu mal passé. Trop généreux. Carla Moreau a confirmé une nouvelle fois être célibataire. Mais la jeune femme retrouve aujourd'hui peu à peu le sourire. Ça se passe bien. Ça va. J'ai repris ma vie de femme célibataire, a-t-elle lâché. Un petit tacle qui n'a sûrement pas échappé à Kevin Gage. En effet, le Marseillais était à ce moment-là devant son petit écran. La preuve, il a réagi à la présence de son ex sur le plateau de La Grosse Rigolade, sur Instagram. Il a ainsi posté une photo de l'émission, avec pour légende ouf. Une légende qu'il a accompagnée de 2000 écrits. Qu'a-t-il bien voulu dire par là? Mystère. @Instagram Carla Moreau à nouveau en couple? Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Carla Moreau a bel et bien tourné la page. Il se murmure même qu'elle serait prête à passer à autre chose. En effet, d'après plusieurs blogueurs, elle serait proche actuellement d'un mystérieux inconnu. Une rumeur qui fait d'ores et déjà le bonheur de ses fans, qui souhaitent qu'elle tire un trait définitif sur son ex. Mais sa priorité reste sa petite Ruby, sa fille née de sa relation avec Kevin Gage. Mère et fille sont particulièrement complices. Une complicité qui a permis à la jeune femme de retrouver le sourire après une année particulièrement difficile.